Salut à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. On retrouve l'hippodrome de Vincennes une nouvelle fois après le Quintée Plus de jeudi. C'est vendredi en nocturne qu'aura lieu l'événement de la journée. C'est le Privesta, quatrième course du programme qui sera support des paris à la carte. Il n'y avait pas assez de partants dans les courses pour chevaudage, chevaux plus expérimentés. Du coup, c'est une compétition pour poulains de 4 ans qui a été retenue pour être support de Quintée. Une épreuve qui a réuni 14 concurrents. Sur 2850 mètres, le parcours de la grande piste, une compétition qui est prévue aux alentours de 20h15, une épreuve qui est très ouverte. Parce que ce sont des poulains de 4 ans, la plupart n'ayant jamais couru sur ce parcours, même aucun n'a couru sur ce parcours, il y en a qui ont couru sur 2007, mais jamais sur 2008, on le sait, il y a beau avoir que 150 mètres en plus, c'est un parcours qui est très exigeant, le parcours du critérium des 4 ans notamment. En tout cas, c'est une compétition dans laquelle j'ai l'impression que quasiment tous les concurrents peuvent faire l'arrivée. Il faut faire des choix, donc je les ai faits. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5, King de l'Ouest. J'adore ce concurrent. C'est un pensionnaire de Sylvain Dupont. Sylvain Dupont, c'est un homme très habile. Il n'a pas un énorme effectif, mais ses chevaux en général sont très affûtés pour les rendez-vous pour lesquels il fait un objectif. Et je pense que ce King de l'Ouest a vraiment été préparé pour cette épreuve. Les deux dernières fois, il était déjà déféré des 4 pieds, ça s'est pas trop mal passé, que ce soit à Enghien ou au Croisé-la-Roche. Mais surtout, je trouve qu'il est sur la pente ascendante et au vu de ce qu'il a réalisé l'hiver dernier dans des lots qui tenaient la route sur l'hippodrome de Vincennes, il a vraiment une belle carte à jouer. Il a fait ses preuves sur la piste de Vincennes 2007, il a déjà trotté 14 effractions. Ce sera peut-être pas suffisant pour gagner, mais il a progressé depuis cette tentative. Et à mon avis, associé à Anthony Barrier, je pense que c'est l'un des prétendants au succès, même s'il n'est pas tout seul. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 12, Quelle Prestance. Lui aussi peut tout à fait s'imposer, je pense même que ce sera le favori de cette compétition. Il est tout simplement invaincu en 2 tentatives sur l'hippodrome de Vincennes. Alors il a couru uniquement sur 2100 mètres à Vincennes, donc voilà, ça aussi c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais il vient quand même de trotter 11 effractions. Sur le parcours de vitesse de la grande piste, c'est un super chrono, il monte de catégorie, mais c'est un cheval qui visiblement n'a pas atteint son plein potentiel, il n'a couru que 12 fois depuis ses débuts, et c'est vrai que c'est soit à l'arrivée, soit fautif. En 12 tentatives, 8 podiums et 4 disqualifications. Maintenant, faut voir ce que ça va donner sur ce parcours. En tout cas, c'est un cheval de qualité qui, à mon sens, peut encore franchir un palier et lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 11, Kenzo Dumont. Peut-être l'un des concurrents qui présente le plus de garanties également. C'est un cheval qui vient de terminer 3e dans une course du même acabit en battant notamment Crystal Pia qui est de la partie. Il a trotté 13,5 sur 2007 grande piste. C'est un super chrono. Et avec un chrono comme ça, s'il arrive à faire la même chose sur 2008, clairement il a sa place sur le podium. Il a des références à faire valoir. Il est bien engagé. Pour moi, il a tout pour plaire. Il est déféré des 4 pieds. 2 tentatives à Vincennes, 2 3e places. Non, je pense qu'avant le coup, comme je l'ai dit, c'est un bon point d'appui. Pour la victoire, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu s'il veut espérer jouer la victoire. Mais à mon sens, c'est un concurrent qu'il faut suivre en confiance. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 7 Crystal Pia. J'ai suivi la ligne. Pour moi, elle est bonne, cette ligne dans laquelle il vient d'être devancé par Kenzo Dumont. C'est un cheval de qualité. Il a été perfectionné en province, rodé en province, il a quand même remporté déjà 5 victoires en 11 tentatives pour 2 2e places, c'est un beau ratio, il a été disqualifié à 3 reprises, mais voilà, dernièrement c'était ses débuts sur l'hippodrome de Vincennes, c'était pas si mal que ça, il a été battu par Kenzo Dumont comme je l'ai dit, mais il a eu le parcours le nez au vent, il s'est montré courageux pour trotter une 13-6 alors qu'il n'a pas eu un déroulement de course favorable. Je pense qu'il a encore de la marge à ce niveau-là. Le parcours 2008, ça va lui plaire. C'est un cheval qui a déjà gagné sur 2950 mètres à Saint-Malo. Il a fait l'arrivée sur 3125 mètres à Angers. Donc voilà, un cheval qui aime les longues distances. Et pour moi, je l'ai retenu qu'en 4e position. Mais s'il venait à lutter pour la victoire, je ne serais vraiment pas surpris. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 13, Camour. Je l'aime bien également, Camour. Maintenant, il n'est pas régulier. Il a tendance à ne pas répéter ses bonnes tentatives. Il reste sur une 2e place sur ce parcours. C'était en début de mois, c'était le 8 novembre. Pas sur ce parcours, pardon, sur 2007 grande piste. Prouvant qu'il était en forme, qu'il était compétitif à ce niveau-là. Maintenant, voilà, j'aime pas le profil des chevaux qui répètent pas forcément tout le temps. En théorie, sur ce qu'il vient de faire, clairement, il a sa chance même pour une place sur le podium. Maintenant, 2008, grande piste, je demande à voir en tout cas. C'est un cheval qui mérite quand même une note de méfiance. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 9, Kénor Desbois. Ce sera un petit peu tout ou rien avec Kénor Desbois. On l'a vu gagner sur 2007 grande piste au printemps dans un excellent style. Maintenant, il a fait une rentrée où il a été disqualifié. Il est quand même déféré des postérieurs. Une configuration dans laquelle il a acquis ses meilleurs titres. Mais voilà, c'est un cheval qui n'est pas de tout repos. Il a couru 21 fois pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disqualifications. Quasiment disqualifié une fois sur deux. On ne peut pas appeler ça une bonne base, on peut appeler ça une bonne chance peut-être, mais avant le coup, voilà, je l'ai retenu seulement en 6ème position. Si ça se passe bien, il peut pourquoi pas réaliser une grosse performance, mais je demande quand même un petit peu à voir avec une seule course et un profil qui est quand même assez délicat. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 6, King de l'arrêt. Ça peut être l'outsider très séduisant au départ de ce quintet. Il vient de terminer, s'imposer pardon, sur la petite piste à 2200 mètres. Maintenant, il a déjà bien fait sur la grande piste. Il a terminé 4ème il y a un peu plus de 2 mois sur le parcours classique dans un lot qui tenait la route. Donc voilà, j'aime bien son profil. Il est dans sa catégorie, il est allégé dans sa ferrure. Il est parfois un petit peu fautif, c'est un attentiste. Ça peut être pas mal d'attendre dans une course où il va peut-être y avoir du rythme et où il y en a qui peuvent y laisser des plumes, surtout sur un tel parcours. En tout cas, lui, s'il a le déroulement de course qu'il faut, je pense que sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'en doubler plus d'un pour finir et pourquoi pas même lutter pour une 3-4-5e place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 8, Kéops Sinclair. 2 courses dans les jambes, allégé dans sa ferrure. C'est un cheval qui a quand même réalisé de belles choses l'hiver dernier. 2ème de Kit démol en battant Carlson Pass ou Kibble. Il y avait les étrangers en plus au départ. C'était certes au trop monté, mais il a également des références à faire valoir à l'attelage. Notamment une victoire à ce niveau-là devant Knockout ou Canduran en début d'hiver de l'année dernière. Il y a quasiment un an jour pour jour. C'était le 27 novembre. En tout cas, il a beau être passé par la case réclamée, c'est un cheval qui a montré qu'il valait bien mieux que cela. Et je pense que la fraîcheur aidant, ça peut lui permettre de réaliser une bonne performance, d'autant qu'il est associé à Mathieu Mottier. Ça aussi, j'ai oublié de préciser. Aujourd'hui, mieux vaut avoir Mathieu Mottier avec soi que contre soi. Entre les courses qu'il a gagnées lundi et mardi, je pense qu'on a en droit d'en attendre une bonne performance. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Ken Fairfrey. Quasiment tous les chevaux, mis à part peut-être le numéro 10 qui peut manquer d'une course, sont pour moi des regrets. Maintenant, ce numéro 4, c'est un cheval qui a vraiment montré de belles choses sur la piste de Vincennes. C'est un des plus expérimentés au départ de cette compétition. Il vient de se classer 3ème sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche dans le Grand Prix des 4 ans derrière des chevaux de qualité. Kissmy Simon, c'est pas n'importe qui, tout comme Kodki d'ailleurs. En tout cas, voilà, c'est un cheval qui a fait ses preuves sur la grande piste de Vincennes, qui est déféré des 4 pieds. Donc, c'est juste un regret, comme d'autres en tout cas, je vous l'ai dit, la course est très ouverte et il va falloir vraiment avoir un minimum de chance pour pouvoir toucher ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5 que j'ai retenu devant le 12, le 11, le 7, le 13, le 9, le 6 et le 8 et en cas de non partant le numéro 4. En conseil de jeu, vous l'aurez compris, non seulement c'est une course ouverte, mais on a des chevaux un petit peu fautifs, donc moi ce que je conseille c'est soit vous prenez les favoris en base, vous et votre chance, s'ils sont sages et qu'ils font l'arrivée, tant mieux. Soit vous tentez un combiné de 5-6 chevaux avec un ou deux favoris pour essayer voilà, de jouer la prudence. Ou alors vous tentez bien entendu de prendre contre les favoris. Ça peut être une arrivée où il peut passer presque n'importe quoi. En tout cas, je pense qu'on va avoir quelques surprises à l'arrivée de ce quintet. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des risques. Ça peut être payant pour un quintet de ce genre. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera samedi du côté de Vincennes, une nouvelle fois, un week-end 100% Vincennes, le premier de l'hiver. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.